50, eh bien, on peut prétendre au titre de champion de France. Nous verrons cela dans un instant avec un autre réunionnais, Éric Casimir. L'une des révélations de ces championnats de France, et nous la connaissons maintenant de mieux en mieux, Aurélie Lacour. Oui, je dirais même la révélation française de la saison passée, Aurélie qui a beaucoup de talent et qui a connu sa première sélection en championnat du monde à Osaka il y a un mois et demi de cela. Volontaire, très persévérante, elle réussit ici un magnifique doublé pivot. Ah, c'est bien. Bonne stabilité dans toute son évolution sur la pointe des pieds. Hop, la petite faute. Oh, aïe. Pour cela, le ballon est un engin difficile car lorsqu'il s'échappe, il faut courir après. Il y a peu de moyens de faire un lâcher discret. Aurélie Lacour qui a de grandes prétentions. Elle a débuté la gymnastique rythmique à l'âge de 6 ans. Elle en a désormais 15. Et lorsqu'Eva Serrano se retirera peut-être, sûrement même, après les Jeux de Sydney, c'est sur Aurélie Lacour que nous allons fonder tous nos espoirs internationaux parce que elle a tout simplement du talent, même si elle a commis une petite faute d'appréciation à la réception du ballon. Elle aussi, elle vient du pôle espoir d'Evry. Ça, c'est joli. Ouais, beaucoup de présence.